Salut, citoyen. T'as poigné dans tes pantoufles. Ouais. Écoute, je te lis un texte. Pas moi qui l'ai écrit? Non. Dans un grand, grand livre. Ouais. Amène la conscience. Écoute. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone. La grande, elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux dégoûtants. Car au vin de ces prostitutions se sont abreuvées toutes les nations. Et les rois de la terre ont forniqué avec elle. Et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe et réfrénés. Mais ça n'a pas de fin, ça, citoyen. Non. Les petits chiffres dans ton compte de banque, ça n'a pas de fin. Il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a qui en ont. Tu peux pas les compter. Hein? Les vrais picsous, on les connaît. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel: Sortez, ô mon peuple, quittez-la de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses péchés. Epstein, là. Hein? Epstein, Epstein, là. Hein? Sound of silence, là. Hein? C'est juste le ridge. OK? Le petit rebord. Hein? De la swamp. C'est juste le petit rebord. OK? T'as été vraiment effroyablement traumatisé par ce qui se passe sur la petite île du plaisir. T'as pas compris, toi, là, là. T'as pas compris, là, où ce qu'on est rendu. Puis tout ça, OK? C'est parce que t'es dans le confort. T'as pas compris. Tu saisis pas les liens de causalité. Tu comprends pas que pour être PDG, non, faut être pervers. Puis quand tu l'es pas, ben c'est que t'es un des rares hommes qui a encore un peu de vertu dans ce monde-là pourri. Bonne journée, citoyen.